T'es sérieux là? De quoi? Tu fais un selfie avec? Non, 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 c'est le début de la vidéo en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de notre road trip Urbex en Belgique. Aujourd'hui on va aller visiter un village fantôme de plus de 700 ans d'existence. C'est parti. Donc nous sommes à Doel, un village très connu dans le monde de l'urbex. C'est un village qui se situe dans une très grande zone portuaire qui rivaliserait par exemple avec les ports de Bruges ou Rotterdam, pour vous donner un ordre de grandeur. Et c'est un village qui est pratiquement abandonné, je dis pratiquement parce qu'il subsiste encore quelques habitants qui résistent à la mort programmée de leur village. En effet, Doel est voué à disparaître avec l'extension du port qui se situe juste à côté du village. En fait, ils ont décidé d'étendre leur quai jusqu'ici, donc à Doel, et raser le village. Ça fait déjà plusieurs années que le projet a commencé, et donc les villageois sont expropriés et laissent leur maison à l'abandon ici. Mais certains propriétaires ne sont pas de cet avis et résistent, ne voulant pas laisser leur passé plein de souvenirs à l'abandon et à la destruction. Le projet d'extension a même été remis en cause, et pour le moment, la démolition a été arrêtée. Tout le village est rempli de graffitis magnifiques et les maisons sont pratiquement tous fermées et bien barricadées comme ici on peut le voir. Et les seules maisons qui sont encore ouvertes sont vides et il n'y a pratiquement plus rien à l'intérieur. Il y a même des associations qui existent et qui font leur possible pour essayer de sauver le village, même si il y a peu de chances qu'ils réussissent face à la détermination du gouvernement, car maintenant il reste un peu moins de 10 propriétaires alors qu'avant il y en avait plus de 900. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on essayera d'y répondre. Et donc si vous ne voulez rien rater de nos prochaines explorations, de notre road trip en Belgique, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la, ça nous fera plaisir. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la suite de notre road trip en Belgique. Salut !